Dans le prolongement de Pâques, nous allons lire ce matin un récit que nous trouvons dans l'Évangile selon Luc. C'est au chapitre 24 de l'Évangile selon Luc, juste après que des femmes se sont rendues au tombeau et qu'elles ont découvert le tombeau vide, et qu'elles ont entendu que le vivant n'était pas à chercher parmi les morts. Alors elles vont voir les disciples qui sont rassemblés, elles leur font un témoignage de ce qu'elles ont vu, entendu, et les disciples disent qu'il s'agit là de douces rêveries. Et voici comment le récit continue. Nous sommes au verset 13 de ce chapitre 24 de l'Évangile selon Luc. Voici que ce même jour, deux d'entre eux, deux parmi les amis de Jésus, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 11 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Nous sommes après Pâques, après la crucifixion, la mort et ce qui a été annoncé comme résurrection. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais les yeux de ces deux personnes étaient forcés de ne pas le reconnaître. Il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau. Et ils ont trouvé les choses, tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut du devant d'eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même,
retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité car il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Il est de bon ton, frères et sœurs, qu'après une telle lecture, nous chantions le cantique 372, et je vous propose les strophes 1, 2 et 6 pour ce cantique qui trouve bien sûr son inspiration dans le passage biblique que nous venons de lire. Levons-nous pour chanter ce cantique. Dieu notre Père, nous aussi, nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent et que notre cœur cesse d'être si lent à croire. Ouvre notre intelligence pour que ces mots de la Bible que nous avons entendus nous donnent accès à ta parole, qu'ils nous aident à mieux nous comprendre et à mieux te comprendre. Donne-nous, Dieu notre Père, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous avons écouté devienne bonne nouvelle pour nos vies.
Chers frères et sœurs, commençons par ce qui est loin d'être un scoop. Pâques, la résurrection, est au cœur de la foi chrétienne. Jusque-là, je ne m'avance pas trop. La résurrection, en bonne théologie protestante, est le centre à partir duquel tout s'articule. C'est juste après que les choses se corsent. Parce que, en général, nous avons toutes les peines du monde à comprendre, dans les faits, ce qu'est la résurrection. Et aujourd'hui, en présence des catéchumènes, en présence des cisonniers et des sous-cisonniers de la meute de l'Oratoire du Louvre, nous serions les uns et les autres, quel que soit notre âge dans cette paroisse, assez embêtés tout de même pour leur dire vraiment ce qu'est Pâques et ce qu'est la résurrection. Nous avons toutes les peines du monde à avoir les idées claires sur ce sujet qui est pourtant central et capital. Cela parce que nous sommes tiraillés, à vrai dire. Nous sommes tiraillés entre ce que nous imaginons devoir croire, ce qui nous semble obligatoire en matière de foi, et puis, de l'autre côté, ce que nous pensons vraiment, ce que notre intelligence nous dicte, sans que nous osions toujours l'affirmer explicitement. Et au fond, nous ne sommes pas toujours très à l'aise avec ce centre de la foi chrétienne, qui est la résurrection, parce qu'il y a une sorte de divorce entre le discours officiel sur Pâques et ce que notre intime conviction nous fait dire. Et d'ailleurs, il n'est qu'à voir les différents sondages qui sont faits année après année pour voir que dans le secret de l'entretien avec le sondeur, les uns et les autres disent que la résurrection n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus important pour eux. Et le fait est que le plus souvent, lorsque nous parlons de la foi chrétienne, et je m'inclus volontiers dans ce propos, nous évitons ce sujet assez sensible et nous préférons plutôt parler de l'enseignement de Jésus, de sa prédication, du projet général de Dieu pour la création, de sa volonté toute généreuse, d'une humanité vivant en paix avec elle-même. Et pourtant, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit les évangélistes, tous font de Pâques et de la résurrection le nœud incontournable de la foi chrétienne, le socle sur lequel tout le reste de l'édifice repose. Et c'est la raison pour laquelle, dans une certaine mesure, Pâques nous oblige. C'est la raison pour laquelle il faut bien que de temps à autre, nous essayons de balbutier au moins quelque chose au sujet de la résurrection, quitte à ce que nous bafouillons un peu. Mais il en va de notre cohérence en matière de spiritualité. Il nous faut bien, de temps en temps, prendre à bras le corps ce sujet de la résurrection. Et ce passage de l'Évangile selon Luc peut nous aider, je pense, à faire ce travail de mise au clair. Et nous allons voir, je l'espère, qu'en accompagnant ces deux apôtres qui ont entrepris de se mettre en route, nous allons entreprendre une véritable promenade de santé qui va faire le plus grand bien à notre vie spirituelle. Le premier intérêt de ce passage biblique concerne précisément la question de la résurrection, puisqu'il met en scène deux croyants d'une part, ce pourrait être nous, et le ressuscité d'autre part. Et d'entrée de jeu, ce passage biblique nous permet de réfléchir à l'aspect qui inquiète si souvent notre foi, ou qui nous met mal à l'aise. C'est bien sûr la question du corps. Qu'est-il arrivé au corps de Jésus? A-t-il été réanimé? Jésus a-t-il vécu une sorte de retour en arrière? Un retour à la vie? Ou alors les disciples ont-ils été victimes d'une sorte d'hallucination collective? Tellement désireux que leur maître demeurent présents à leur côté, qu'ils auraient en quelque sorte projeté ce désir-là
dans leur imaginaire et se seraient mis à rêver d'un Jésus toujours présent à leur côté, et ce rêve serait devenu pour eux en quelque sorte la réalité. Ils se seraient en quelque sorte dupés et se seraient inventé un happy end, une fin heureuse à cette histoire dramatique. Je crois que c'est à ces questions que ce passage biblique s'efforce de répondre dans un premier temps. La première série de réponses concerne l'hypothèse d'une hallucination. Les apôtres sont-ils mythomanes ? Mythos ? Eh bien, il me semble que la réponse est plutôt négative, et je tire cela du texte biblique. Je tire cela de l'attitude de ces deux apôtres en route vers Emmaüs. Quand le ressuscité vient à leur rencontre, il ne lui saute pas au cou, il n'explose pas de joie, ils ne disent pas « Ah mais c'est bien sûr, nous en étions convaincus !» Cet homme qui va faire un bout de route avec eux, en fait ils ne savent pas qui c'est. Ils ne savent pas qui c'est, ils ne reconnaissent pas Jésus dans les traits de l'homme qui vient à leur rencontre, ils ne reconnaissent pas non plus sa voix, sa manière de parler, ni même son enseignement tout au long du chemin qu'ils font avec lui. Cet homme est pour eux un parfait inconnu. Et cela montre bien que les disciples ne voulaient pas à tout prix que Jésus soit ressuscité. D'ailleurs, si cela avait été leur désir profond, ils se seraient rendus à la tombe de Jésus au petit matin avec les femmes, non pas pour embaumer le corps, pour entretenir le cadavre, mais pour vérifier que Jésus était bien ressuscité, comme cela leur avait été annoncé à plusieurs reprises. Le fait est que les disciples, tels que l'évangéliste Luc nous les dépeint, pensent que Jésus est mort et qu'il n'y a rien à espérer de plus. Ils sont désormais plongés dans la tristesse, comme c'est écrit au verset 17, et pour eux, il n'y a pas d'autre horizon que celui-là. Il faut gérer le deuil en quelque sorte. Et cela, je pense, fait partie des indices qui peuvent nous faire conclure que la résurrection n'est pas une invention des apôtres qui veulent se consoler de leur malheur. La deuxième série de réponses concerne le corps de Jésus. Ce corps de Jésus qui pose problème dès le début de Pâques. Le fait que les deux apôtres, en route vers Emmaüs, ne reconnaissent pas Jésus dans l'homme qui marche en leur compagnie, qu'ils ne reconnaissent rien de sa personnalité. C'est quand même leur ami, peut-être même leur idole en quelque sorte. Eh bien, le fait qu'ils ne reconnaissent rien de cet homme-là doit être pris avec le plus grand sérieux. Soit nous en tirons la conclusion que la résurrection transforme les traits de la personne ressuscitée, sa voix, ses manières, sa façon d'être, au point qu'il devient méconnaissable même pour ses amis intimes. Soit nous en tirons la conclusion que l'homme qui a rejoint les deux apôtres n'est pas Jésus de Nazareth, qu'il n'est pas le Jésus historique qui a constitué la communauté des disciples. Autrement dit, le ressuscité n'est pas un revenant, pas plus qu'il ne serait une sorte de fantôme qui, si cela avait été le cas, aurait singulièrement effrayé ces deux personnages, qui ne sont pas effrayés le moins du monde par la rencontre assez soudaine qu'ils font sur le chemin. Si, pour ma part, c'est cette seconde hypothèse qui me semble être celle qui est digne de foi, c'est parce que la réaction, ou plutôt l'absence de réaction des apôtres, laisse entendre que cet homme n'est pas le Jésus qu'ils ont connu. C'est bien le Christ, nous allons y revenir, mais ce n'est pas le Jésus de Nazareth qu'ils ont côtoyé tout au long de son ministère. Autrement, si cela avait été le cas, ils auraient pu faire comme Euryclée, la vieille nourrice d'Ulysse,
qui est reconnu après sa longue odyssée par la cicatrice caractéristique qu'il porte sur son corps. Au fond, le corps aurait pu être l'argument décisif si Jésus était vraiment celui-là. Mais le texte dit bien que les yeux des apôtres ne reconnaissent pas Jésus, et nous pouvons en tirer la conséquence et la conclusion qu'ils ne le reconnaissent pas parce que ce n'est pas lui. Ils ne le reconnaissent pas encore en tant que Christ, car ils n'ont pas encore eu les moyens de le discerner, de le reconnaître à travers cet homme qui est pour eux un véritable inconnu. Pour dire cela autrement, et peut-être d'une manière plus théologique, avec la formule de la réforme calvinienne, si Jésus est totalement Christ, Jésus n'est pas la totalité du Christ. Cela veut dire que le Christ peut se manifester en dehors de la personne historique de Jésus. Le Christ peut aller à la rencontre de l'humanité autrement qu'à travers le Jésus né des entrailles de Marie. Parce que le Christ est la manière dont Dieu se rend présent parmi les hommes, présent et actif, nous explique la Bible, et que ce n'est pas un homme en particulier qui est le tout du Christ, même si nous confessons bien volontiers que Jésus de Nazareth a été totalement Christ. La résurrection, telle qu'elle est proclamée dans l'Évangile selon Luc, c'est bien la résurrection du Christ, la résurrection de Dieu à l'œuvre dans notre histoire, la résurrection de Dieu qui vient croiser les pas des hommes. C'est ce qui va leur être expliqué tout au long de l'étude biblique dont ils vont bénéficier, depuis Moïse, en passant par tous les prophètes, qui, s'ils parlent du Messie, le terme hébreu pour désigner le Christ, ne parlent pas de Jésus. Ce n'est pas le Jésus que les apôtres ont pu voir et toucher, mais le Christ, tel qu'il s'est exprimé à travers Jésus. Le Christ, qui a manifesté ce qu'est la vie selon Dieu à travers la vie de Jésus, qui s'adresse aux disciples. Ici, sur le chemin d'Emmaüs, tout semble indiquer que les disciples ne sont pas face à un Jésus revivifié, comme on parle du César revividus. Ils sont face à Dieu, qui prend chair dans l'histoire de l'homme, ainsi qu'il l'a fait de façon totale et accomplie, de façon exemplaire, en Jésus de Nazareth. Mais voilà que les apôtres doivent encore découvrir que Pâques n'est pas la réactivation des cellules d'un corps humain, mais le relèvement de l'action de Dieu qui gisait au fond d'un caveau. Dire que sur le chemin vers Emmaüs, c'est Dieu agissant qui vient à la rencontre de l'humanité, s'appuie sur un autre élément du texte biblique, sur le nom même du village vers lequel les apôtres se rendent. C'est dans ce village que la reconnaissance du Christ va avoir lieu, dans ce village qui s'appelle Emmaüs, un village qui n'existe pas. Les archéologues émettent au moins 5 hypothèses sur une localisation possible de ce village. Un village qui n'est pas évoqué ailleurs dans la Bible. Du moins, pas sans faire un petit bout de chemin, comme le font d'ailleurs les apôtres. La version grecque de ce passage biblique, qui semble la plus sûre, c'est le texte occidental. Certains connaissent peut-être son nom, c'est le fameux Codex de Bèze. Cette version indique que le nom du village, ce n'est pas exactement Emmaüs, mais Oulamaous. Et ceux qui sont familiers de la langue grecque et de la traduction grecque de l'Ancien Testament entendent que cela peut faire penser à Oulamaous, qui est le nom grec de Luz. Et là, je suppose que vous êtes, comme les apôtres, complètement perdus sur votre chemin. Alors, je ne suis pas le Christ ressuscité,
mais je viens à votre rencontre pour faire un bout de chemin et vous dire ce qu'est cette Oulamalous et ce Louz. Louz, nous en avons parlé il n'y a pas très longtemps dans cette communauté. Louz, c'est Bethel, comme nous l'apprenons dans l'épisode où Jacob a cette vision de l'échelle. Et vous vous souvenez peut-être qu'au terme de cet épisode, Jacob a cette exclamation « Dieu est en ce lieu et je ne le savais pas ». Nous sommes ici dans la même ambiance de révélation. Nous sommes ici dans la même ambiance de mise à jour de la présence de Dieu. Et c'est la raison même, je crois, de cette promenade de santé qui est d'abord un voyage intérieur, devenir capable de reconnaître la présence de Dieu dans notre histoire personnelle. Pour tout vous dire, je ne suis pas sûr que ces deux apôtres aient marché pendant une dizaine de kilomètres. Il est fort probable que cette promenade de santé destinée à leur faire voir l'invisible n'ait pas demandé un effort physique, mais qu'importe. Il est effectivement un voyage qu'ils vont devoir faire et c'est le ressuscité qui prend les choses en main. Nous le sentons bien. Les apôtres sont trop enfermés dans leur deuil, trop enfermés dans leur tristesse pour être suffisamment sensibles à la présence du Dieu agissant, du Christ. C'est comme lorsque quelqu'un a une peine de cœur, lorsque quelqu'un est désespéré et qu'il se lamente d'être seul et de ne pas trouver l'âme sœur. Elle est peut-être là, à côté de lui, mais il est trop triste et trop désespéré pour pouvoir la reconnaître. Le texte dit que les yeux des disciples sont forcés de ne pas le reconnaître. Il me semble que cette force terrible, c'est le chagrin et probablement le désespoir qui empêche d'être suffisamment lucide, d'être suffisamment ouvert et réceptif à ce qu'il y a autour de nous. Parce que ce qui est en jeu ici, c'est quelque chose que les sens ordinaires ne peuvent pas saisir, ne peuvent pas rejoindre. Il faut qu'il y ait en quelque sorte ce supplément d'âme qui soit à l'œuvre. Leur intelligence est comme anesthésiée. Lorsque nous avons reçu une nouvelle tellement violente que nous sommes encore sous le coup, abasourdis, incapables de réaction, incapables du moindre pétillement d'intelligence. Leur cœur est lent à croire, dit Jésus. Alors, pour déverrouiller leur être, le Christ va ouvrir une brèche et leur faire faire un voyage qui leur permettra de franchir la distance qui les sépare d'une autre réalité que celle que leurs seuls sens leur permettent d'atteindre. Et pour cela, il ouvre les Écritures. C'est du moins ce que les apôtres ont perçu. Et c'est de cette manière-là qu'ils en parleront à la fin du récit, au verset 32. En fait, le narrateur nous dit que le Christ fait bien autre chose qu'ouvrir les Écritures. Le texte grec précise au verset 27 que le Christ fait ce qui pourrait bien s'apparenter au travail d'Hermès dans la mythologie grecque. Faire le voyage entre le ciel et la terre pour transmettre à l'humanité un message divin. C'est ce qui donne le mot herméneutique. Ça vient d'Hermès, celui qui fait le voyage, celui qui fait le lien entre Dieu et les hommes. C'est le mot qui veut dire l'interprétation. Ce voyage nécessaire dans les mots pour que les mots donnent du sens et que l'on n'en reste pas au simple sens littéral. Le Christ, précisément, ne se contente pas d'ouvrir les Écritures et de lire. Il interprète. Il aide les apôtres à faire ce chemin du sens. Il aide les deux apôtres à cheminer et à donner du sens à tout ce qu'ils ont vu et vécu en relisant justement la
trajectoire du Christ à la lumière des textes bibliques. On peut imaginer, par exemple, qu'il interprète ce que signifie la croix, parce que la croix, il n'en est pas question dans les Écritures. Il faut donc que les apôtres fassent tout un cheminement, tout un travail d'interprétation entre ce que les Écritures disent et ce qui s'est réellement passé. Il faut aider les disciples à réinterpréter tout ce qu'ils ont vu et entendu à la lumière des textes bibliques pour révéler le caractère profondément christique de Jésus et pour remettre les disciples sur un chemin d'espérance. Dès lors, tout est absolument en place pour que les apôtres connaissent effectivement la présence de Dieu à leur côté. Tout est en place pour les rendre sensibles au fait que Dieu, que certains ont voulu figer définitivement, est pourtant toujours à l'œuvre, encore actif, encore en mouvement, et qu'il n'en finit pas de poursuivre son œuvre créatrice. Il ne manque plus que l'élément déclencheur, l'élément qui va permettre cette reconnaissance, et cet élément, c'est le partage du pain. Pour reprendre l'exemple d'Ulysse, qui revient chez lui au bout d'une vingtaine d'années au terme de son odyssée et qui doit se faire reconnaître de ses proches et même de sa dulcinée, Pénélope, eh bien c'est par un secret partagé, par quelque chose qui n'appartient qu'à Pénélope et à lui que la reconnaissance pourra se faire. Lui qui sait que son lit a été taillé dans un olivier planté dans le sol. Le partage du pain rappelle ce qui s'est passé lors du Vendredi Saint, et seul un petit groupe de personnes savent ce qui s'est passé dans cette chambre haute. Et c'est cette connaissance d'une sorte d'un secret partagé qui agit comme un symbole qui ouvre le regard des apôtres en leur donnant un pouvoir de déchiffrement et qui leur permet d'aller plus loin que ce que le seul regard permet. D'ailleurs, à ce moment précis de l'histoire, leur regard ne leur sert plus à rien. Une fois que le Christ est reconnu, ils ne voient rien face à eux. Alors, à ce point de la promenade, il en ressort que la présence de Dieu n'est pas définitivement enfermée dans un corps particulier. C'est le premier enseignement que je tire de ce texte. La présence agissante de Dieu est bel et bien libérée de toutes les cellules qui soient, qu'elles soient physiques, comme les cellules de prison, ou physiologiques, comme les cellules d'un corps. La présence de Dieu n'est pas limitée à un individu particulier, ni à un temps particulier, ni à un espace particulier. L'Éternel est celui qui vient vers nous en abolissant toutes ces limites que nous posons parfois pour essayer d'en faire un Dieu particulier. Peut-être un Dieu national, peut-être le Dieu d'une religion particulière. L'Éternel est celui qui franchit toutes ces limites-là, qui ne reste pas confiné dans un homme en particulier, dans un espace en particulier, dans une doctrine en particulier. Pâques est ce moment où l'Éternel abolit une bonne fois pour toutes ces limites que les hommes posent trop souvent. Et c'est la raison pour laquelle, si vous étiez tiraillé au début de la prédication entre ce qu'il faut croire et ce que vous croyez effectivement, j'espère qu'en compagnie du Christ ressuscité, vous aurez fait ce petit chemin vers Emmaüs, Dieu, le lieu où Dieu est véritablement présent, et que vous serez peut-être un peu moins dans une forme de schizophrénie. Le deuxième enseignement que je tire de ce texte est que Dieu nous rend capable, à la suite de ces deux apôtres, de comprendre les signes des temps, de décrypter l'histoire pour y discerner de quelle manière les pas de Dieu croisent les nôtres. L'Éternel s'emploie à nous faire faire le voyage intérieur du sens, en ouvrant notre intelligence à plus grand que nos obsédantes frayeurs,
plus grand que nos obsédantes tristesses, plus grand que ce qui nous fascine et nous fige. Et c'est en ce sens que l'Éternel se révèle à nous, aujourd'hui encore, comme il le fit autrefois à ses deux apôtres en chemin vers Emmaüs, ce lieu où Dieu est présent sans que nous puissions même l'espérer. Oui, c'est en ce sens que l'Éternel se révèle à nous comme la puissance de résurrection qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, dès lors que nous empruntons un petit bout de chemin qui nous mène vers Emmaüs. Amen.